come in. Are you still tailing Deimos' men from the Heartbreaker? Affirmative. And you never guess where I am. The bird. We have hostages. I'm a few minutes out. We don't have time. They don't have time. Go. I'm on my way. Next.
as we dance.
So crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Oh,
Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Multigamine. Comme vous pouvez voir, on a des petits soucis de technique sur les serveurs. Ça veut dire qu'en fait, en gros, quand on crée la partie perso, ben, il y a une erreur, hein, une erreur connexion Ubisoft. Ça va être compliqué de caster ce magnifique match. Et surtout que je suis dans l'impossibilité de lancer la partie perso. C'est marqué depuis Veuillez patienter. Un peu compliqué. Alors je vais vous mettre une petite pause entre deux, on va essayer, mais ça risque que si c'est pas toujours réglé, voilà, erreur de connexion au serveur de Rainbow Siege, hein, toujours pareil, hein, comme vous pouvez voir, hein, je vous balance le petit screen. Hein, on peut pas se permettre de lancer comment dire le casse sans avoir la connexion. Hein, comme vous pouvez voir, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai lancé le jeu et ainsi de suite, et ça marche toujours pas. Il y a toujours des soucis et des problèmes sur le serveur des Rainbow Siege. Hein. Il y en a, ils ont su arriver à lancer, mais ils ont eu la chance. Là actuellement, il est 21h17. On va attendre jusque 21h30. On va essayer de les inviter, mais ça va être compliqué. Alors, vu que eux, ils ont essayé de revenir sur la partie perso, et automatiquement, ils n'arrivent pas, ils quittent facilement. Voilà. Thank you.
Bonsoir tout le monde. Allez, on y va, on y va. On va dire qu'on a essayé de faire quelque chose. Moi, je pouvais pas inviter. Et eux, ils m'ont invité. Tout qui part en couille ce soir, d'accord. Est-ce que je peux mettre le nom Ah non. Si. Ah non, je peux pas changer. Mettez votre nom. Bon, on va dire que la game, c'est pas à moi. Le plus chiant, c'est que je vais pas savoir téléguider le truc. Allez, une petite pause. Comment je...
Bon, allez, on est parti. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va le faire, hein. Voilà, tout simplement, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai pas su arriver à inviter, mais eux, ils ont arrivé. Qui c'est qui lance, au fait? Parce qu'avec tout ça, c'est pas à moi. C'est moi qui lance? Ah, sacré serveur. Allez, c'est pas moi qui ai accès, hein. Ils m'ont tellement fait peur, direct d'entrée. Ah, je suis mort. Bon, le temps que si j'arrive à bouger, j'ai peur. Allez, on est parti, hein, sur cette clubhouse, hein. Désolé pour ce contre-temps, hein. C'était pas prévu, mais bon. Hein, les serveurs d'Ubisoft depuis quelques jours, hein, ça crache et ça c'est compliqué pour lancer. Hein. Allez, on est parti pour cette première agent de cette exclusion de côté de la Proken. Quel agent qui va être ban? Justement, on va partir sur du Termite. Termite, comme on jouera pas, c'est justement sur cette clubhouse. Ah, j'ai pris du retard 30 minutes. C'était pas prévu. Je pensais finir. Allez, on est parti, hein, justement du côté du deuxième agent qui va être ban pour cette attaque de côté de la Devil Blues. Ils ont marqué Devil Esport, mais c'est Devil Blues. Dokibi, Dokobi, qu'on jouera pas sur cette map. Et bien sûr, on va passer sur le troisième agent qui va être exclu du côté de la Devil Blues. Quel agent qui va être exclu pour donner des difficultés pour la Proken? Solis, hein, qu'on jouera pas sur cette map, et bien sûr le dernier agent de cette défense du côté de la Proken. Azami, qu'on jouera pas, voilà, la phase d'exclusion est terminée, maintenant on va passer sur cette première manche. Et justement, on va partir justement ce magnifique BP qui va être choisi. Et on va partir sur un BP chambre salle de sport du côté de la Proken avec cette composition avec du Castle Mute, Storm, Mira et Joker. Et bien sûr du côté de la Devil Blues avec Thatcher, Ashe, IS, Nomad et Alpha Yana. doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Alors. Le temps que je change en spectateur, hein, moi j'ai pas su arriver à lancer, mais bon, c'est la vie. Hein. Ça va être compliqué, hein. J'espère qu'ils vont essayer de remédier à ça, hein, parce que c'est pas normal. Hein. Allez, on est parti sur cette première manche. On va voir comment ça va se passer entre les deux parties. Hein. On n'oublie pas que c'est en BO1. On va aller voir justement position Esposi. Là, on voit du côté de L0 qui sont en position voisine du solo. En train de positionner justement sur Mira. Allez, on voit, hein. On est toujours sur le toit. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas exactement. C'est cette première round.
chercher cette position. On ne sait pas exactement de ce qu'ils vont faire la Devil Booze. On ne sait pas exactement de quel côté qu'ils vont attaquer pour essayer de reprendre le BP de la Procon. Là on voit que Crisco qui passe sur le garage. On voit il y a du Castle. Ça va être compliqué pour entrer. On ne sait pas de ce qu'ils vont faire. Attaque du sud justement pas en dessous. On va voir cette position. Allez, faut que il reste toujours à peine une minute. Allez, faut que la Devil Booze qui essaie de bouger. Qui a tombé Crisco. On est passé en 5v4. Oh, on est passé en 4v4. De toute façon, entre les parties, c'est très serré. On va aller voir comment ça va se passer. On voit du côté de L0. Visuel qui a su faire tomber Nock. On est passé en 4v2. Attention, Visuel qui continue. Il s'enchaîne avec le petit troisième kill qui a su faire tomber Kero. Allez, 15 secondes du côté de la Devi qui sont pas sûrs pour essayer de poser, ça va être compliqué pour lui. Allez, ça va être compliqué. Allez, on manque de temps. Et voilà, premier round remporté déjà chez la Procon. Allez, 1-0, hein, Procon Esport qui prend quand même cet avantage sur cette rune. Et là, on va partir justement sur BP de côté de la Procon Esport avec celle des recettes, celle des surveillances, avec cette composition de cette défense avec Mute, Jacker, Kaïd, Warden et Bandy. Ça va extra vite, hein, la partie. Avec du Yana, As, Buck. Allez, on est parti, hein. Soit c'est un BO1, de toute façon ça peut être très rapide, hein. Tout peut se jouer sur cette manche, on va voir comment ça va gérer. On voit avec un manque de temps de la Devil Blues qu'ils n'ont pas su arriver à prendre ce magnifique BP de côté de la Procon, très difficile pour eux. Non, c'est pas le stagiaire, mais bon, tu parles de qui? Il reste 10 secondes. N'oubliez pas qu'on se retrouvera demain à 21h. Ce sera la Détan AK qui va affronter la Devil Watt. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Allez, on y va. De quoi? Tu parles de qui? De quel côté? J'ai pas fait attention, hein. Drone activé. J'ai placé un ballon libre. Allez, on va prendre la position. On voit Solo qui est là. Il sait que la formation qui est là, hein. On sait qu'on a ping. Allez, Kero. Cette position, on ne sait pas exactement de ce qu'on va faire en haut. Allez, Crisco, et qui vient se faire descendre par Solo. Attention, on est passé en 5v4. On voit, hein, du côté de l'attaque, du côté de la Devil Booze, qu'ils ont du mal, hein, sur cette deuxième rune. Solo qui arrive à bien gérer avec son Warden, qui justement qui est en train de se mettre en position. Il sait qu'il y a la formation, il sait qu'il est là, il va essayer de l'attendre. Ça va être compliqué, hein. Il sait qu'il est là, hein. il sait la formation. Et là, justement, du côté de Kero qui n'essaie pas justement d'entrer, il essaie de droner juste pour avoir la formation. On est passé justement en 4v4. Allez, Snok qui a su faire tomber Neix. Il reste toujours une 1-7, hein, du côté de la Devil. On voit Sensi qui a pris quelques balles, hein, avec Bug. Allez, on s'y est à la formation. On va essayer de choper. Dommage, il s'est tenté.
peut-être chercher ce kill, peut-être, et non. Ouh, la petite tête qui vient se prendre, Pixuel. Et là, on est passé en 3v4. Attention. Et on est passé en 4v2. Attention, Sanzi qui a été chercher ce kill. Le solo. Allez, la Franken, justement, qui prend en position. On sait qu'on a redescendu. Allez, son qui est parti justement. Qui va être compliqué pour lui, un V4. Est-ce qu'il va savoir? Eh non, Espoozy qui a été chercher ce duel. Et justement, son qui vient de tomber sur les balles. Et là, on est parti sur un score de 1-1. Attention, les deux équipes qui se lâchent pas. Ça va être complet, ça, entre guillemets. Allez, on est parti hein, pour cette troisième manche. On va partir sur un BP salle de. Le BP qui vient de changer, on va partir sur un BP Église Armory avec cette composition de sa défense avec Kaïd, Mulusi, Vigile, Alibi et Jacker, et bien sûr du côté de la Devil Blues avec toujours Rosa, As, Yana, Thatcher et Buck de cette composition de cette attaque du côté de la Devil Blues. Et là on va voir justement comment ça va jouer du côté de la Proken. Pour cette position. Allez, on y va directement. J'ai pas fait attention, je regarderai la prochaine fois. On est passé en 5v4. De toute façon, tu dois rentrer à côté la début. Hein. On voit de cette position. Il y en a qui ont bien se cacher avec de la musique. Allez, reste toujours 50 secondes. Allez, on n'a pas le choix. Il faut la Devil Blues qui commence à avancer très délicatement. Allez, on est passé en 5v3. De toute façon, toujours à l'avantage du côté de la Devil Blues. 34 secondes, hein. Ça va être compliqué. Hein. Snog en plus qui a la bombe. Il est passé en 5v2. Qui recasse une carte L0. Allez, on est passé en 5v1, attention, DX qui se retrouve tout seul. Et voilà, la manche parfaite du côté de la Devil Blues qui va prendre un point de plus sur le score. Et là, on va partir sur 2-1. 2-1 sur le score. Allez, on va partir sur un VP, salle de recette, salle de surveillance. Oh, on change
On est parti sur l'église Armory. Avec cette composition de cette défense, Kaïd, Mulusi, ainsi de suite à peu près les agents alibi vigile. Et du côté de Daladi Vulbouz, qu'ils ont pris Ibana avec Bug, Chatcher. On va voir comment ça va se passer. Bienvenue hein, pour ceux qui sont sur la chaîne. Désolé pour ce magnifique retard. Ok, paré. Et voilà mon double. Déployé. Il reste 10 secondes. 5 secondes avant insertion. Grippe activée. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Allez, on est parti directement, de toute façon 2-1 sur le score. Hein. On, le but du jeu, c'est celui qui arrive à 7 à gagner. On va jamais la petite drone, la caméra qui vient de se détruire. Allez, on voit du côté de Broken qui sont en train de se mettre en place. On voit, il était juste sur le, il y a toujours ce duel qui a super tombé. Il a tout cherché son deuxième kill. Et là, on est passé en 5v3. Ils n'ont pas vu arriver. Solo qui est là, qui est déchaîné. Et là on est passé en 5v3, attention, du côté de la Devil Booze, hein, qu'on fait tomber comme des mouches. Elle est solo qui est toujours là. Qui a fait une partie de travail hein, en essayant de faire tomber deux joueurs de la Devil Blues. Attention Kiro. On va prendre en position. Oh, Samsi qui a pris très cher. On ne sait pas exactement où ils vont attaquer la Devil Blues, hein. On voit qu'ils ont du mal. Très difficile hein, pour cette position de cette attaque. Je déclenche l'explosion. Allez, on va commencer à attaquer du côté de la Devil. Il reste toujours 22, à peine 21 secondes. Allez, on n'a pas le choix, il faut essayer. Essayer de faire tomber le maximum, attention à la Proken qui sont toujours 5, ça va être difficile. Là le flash qui va essayer d'être balancé, il peut chercher ce magnifique contact. Et non, le contact va être passif, peut-être oui. On va peut-être chercher duel, peut-être. On est passé en 2-4, 2-3, attention ce palais sera rapide, ça va être très occupé. La petite trip de solo qui a été chercher ce magnifique kill. Il reste toujours exclusif, ça va être compliqué pour lui. Et voilà, pour un manque de temps du côté de la Devil Blues qui n'arrive pas à poser cette bombe. Et la Proken qui prend ce point. Et justement on va partir sur 2-2. 2-2 sur le score. Attention, on va partir sur cette manche 5. Et bien sûr on va arriver sur un BP, salle de recette, salle de surveillance du côté de la Proken, avec 7 agents pour sa défense, avec Mute, Jacker, Kaïd, Warden et Bandit. Et du côté de la Devil Blues, Alpha doit trouver et désarmer, avec Yana, Kaïd, As, Bunker, Buck et Thatcher. 2-2 sur le score, attention hein. La Proken, ils ont pas dit leur dernier mot. Ils en profitent justement pour gagner quelques rounds pour sa défense. Ainsi l'attaque de côté de la Devil Blues.
déployée et en service. Bruyère prêt. Insertion dans Kirito, je pense. Je suis mort. Il s'est dit tueur sur le chat là. J'avais pas calculé pourquoi pourquoi ça a été dit ça, mais là je confirme. Kirito est pour la Procon. Bon allez, passons au sérieux là. On va garder ça. Au garage, chercher un effet de kill. Visuel qui est juste un kill au garage. Hey, on met ça du drone pour essayer de la formation. On sait qu'il est au garage, on va essayer. Il n'ose pas de repasser justement. Bonne Sunzy qui est toujours en bas. On voit de côté la Procon, hein, ils sont en place. Oh. United, tu cherches le kill, voilà. Kiro qui va te faire tomber sur les balles du bisexuel. Oh, et là, on est passé en 5v4. Oulala, Kiro qui a pas fait long feu juste à sa petite porte. Là, on est passé en 5v3. Attention, solo card parti dans cette démarche. Allez, on est passé en 4v3. Elle est solo justement avec son Warden qui va prendre le risque de sortir pour essayer. Et non. Oh là là, il vient de se prendre une belle petite tête, Sunsi. On voit à la dévie qu'ils ont du mal à gérer cette attaque, hein. Très difficile pour eux, et en plus 1v4 ça va être compliqué du côté de Nock. Surtout qu'on n'a pas la formation, peut-être chercher, voilà, il a été cherché sur premier kill qui a su faire tomber solo. Il reste toujours 26 secondes, on sait pas exactement de ce qu'il va faire. Ça va être compliqué pour lui. Encore 15 secondes. 15 secondes, ça va être compliqué, hein. Attention pas se faire voir, et voilà, NX qui a été chercher ce duel et qui s'est su faire tomber Doc et la Procon Esport qui prend ce round. Et là on est parti pour un score de 3-2. Attention, là on est parti sur cette dernière round, manche 6. Et là on va partir sur un BP chambre, salle de sport de côté la Procon. Et avec une composition de sa défense avec Castle, Storm, Mira, Jacker et Mute. Et bien sûr du côté de la début Blues avec Flores, Buck, As, Nomad. Et Yana, dernière round avant changement de rôle, c'est l'occasion de la Devil Blues venir égaliser. Très difficile. Allez, on est parti. Allez, on va voir de ce qu'ils vont nous proposer à Devil Blues, hein, de ce jeu pour essayer justement prendre le BP de la Procon.
Esport, on est parti avec Sansi. On voit qu'ils sont toujours dehors. On va aller voir justement du côté de la Proken. On voit qu'ils sont en position. On voit Solo avec son Mira qui est juste derrière sa petite fenêtre. Avec son petit parasite. On le sait qu'on est là. On voit la formation. Attention pour prendre sa petite tête. Kero qui est toujours là. Ça va être compliqué pour eux. Hein. Allez, justement il y a le parasite. Allez, on le sait qu'on est là. De toute façon, on ne peut pas se prendre une coup de tête là. Allez, on est passé en 74. Allez, son qui va faire tomber Nock. On est passé en 74. Hein. Nock, c'est qu'il lâche pas. Hein. Allez, ça commence à péter. On voit. Va être compliqué. NX justement qui change de position. On voit que Crisco Kero qui est juste devant. Très difficile. On sait pas exactement. Le petit C4 justement qui vient de se détruire. Vu que le C4 n'a pas été pété directement. Et on est passé en 4v4. Crisco qui a justement fait tomber son. Et on voit de cette position du côté de Bexuel. Solo, on va te chercher peut-être. On est toujours en 4v4, attention hein. La Proken et la Devil Blues qui se lâchent pas. Allez, on est passé en 4v3. Attention, Sansi qui a pris cet avantage. De toute façon, il y a Kero qui revient sur sa protection. Esposi. J'essaie d'avoir la formation. 15 secondes, ça va être compliqué. Allez, il a su prendre une grosse tête. Là, on va passer à 3v2, la petite double du côté de Solo. Ça va être compliqué hein, du côté de la Devil. Et voilà, la Proken qui gagne ce round de cette dernière défense avant changement de rôle. Et là. On va partir sur un score de 4 à 2. Allez, on est parti. Hein, et là, on va partir sur un BP du côté de la Devil Blues avec BP salle de recette, salle de surveillance avec cette composition de sa défense avec Warden, Bandit, Jacker, Goyo, Alibi. Et de côté, c'était extra rapide. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Avec Ibana, Buck, Yana qui va se replacer, Lyon et Sledge. Attention, un score 4 à 2. Attention, la Proken qui prend quand même cet avantage, qui a quand même bien géré les 4 défenses. Maintenant, on va voir comment ça se passait pour cette attaque. On essaie justement de se mettre en position. On va aller voir du côté de la blouse. On sait qu'à la formation qui est là, qui va essayer de le pêcher. Et non, on prend pas le risque. Hein. Peut-être qu'il va pas se présenter une deuxième fois. On voit qu'il y a Montagne qui va entrer garage. Et là, Solo qui a été chercher Goyo. Et là, on est passé en 5v4. Solo hein, qui lâche pas prise hein, il fait quand même une bonne game là. Il est déjà à 9 kills. Il pense continuer jusqu'au bout. Allez Kero qui va tomber sur les balles de NX. On est passé en 5v3. On
voit du côté la Devil Booz qu'ils ont du mal. C'est vraiment de se réveiller, faut pas lâcher prise. Mais là, ils sont très chauds à la Proken ce soir. C'est un truc au démouche. Et là il reste plus que Crisco du côté de la Devil Booz. De toute façon ça va être difficile pour lui pour essayer de garder son magnifique BP. Ah là là, la Proken qui va prendre cet avantage. Et voilà, Neish qui a été chercher ce duel. Et justement pour gagner ce round. Et là on est passé sur un score 5-3. Attention hein, la Proken qui approche petit à petit de cette victoire. Attention. Et là, on est parti justement sur un BP du côté de la Devil Booz avec Eglise Armory, avec cette composition de sa défense, avec Lésion, Mute, Jacker, Warden et Fenry. Et du côté de la Proken avec Montagne, Lyon, Delta, empêché Alpha, Yana, Buck et As. De toute façon, 5-2 sur le score. On voit que du côté de la Devil Booz, il tente de se réveiller. Ça va être compliqué pour eux. Allez, on est parti. Oh là, Crisco qui a manqué prendre. Allez, on va aller voir par au-dessus. On va exactement du côté de la Proken qui vont attaquer pour essayer de reprendre le BP du côté de la bouse. Là, on voit très bien qu'ils ont pris en bas. Allez, on est parti. On voit que Crisco... qui sont en position dans la petite chambre musculation. Allez, on sait de droner d'avoir la formation. Celui-là, elle. Qui c'est qu'il est là? Tête changée, fais attention de ne pas se prendre derrière. Allez, on va essayer de chercher. On va peut-être essayer de rentrer. Allez, on balance un flash juste avant pour y fuir. Et on repasse à deuxième. Là, on voit du côté de Sond qui a été cherché son magnifique kill. Qui a su faire tomber justement Crisco. On voit que la Devil Watt, pas la Devil Watt, mais la Devil Booz, qu'ils ont très du mal hein, pour cette défense. Hein. Attention, hein, la Proken, ils sont pas loin pour cette victoire. Attention, pas se lâcher. Voilà le mental. Et là, justement, Bixuel qui va faire tomber Kiro dans cette action. On est passé en 5v2. Peut-être continuer dans son élan, il reste toujours à peine une minute. Allez, faut pas lâcher prise dans le temps de la défile. Allez, on continue dans cet élan. On va aller voir du côté de l'Ellipse. Elle est solo. Il y a une bonne position là. S'il n'a qui passe, il se fait. Il se fait couper. Allez, on va chercher ce kill. Il y a NX justement qui vient de faire tomber. Explosif. On est passé en 5v2. On voit du côté de la Devil Booz qu'ils ont très du mal. On voit que Solo qui s'est rentré chercher ce kill. Ce qu'il a fait, il vient de faire tomber Nox dans cette action. Il reste toujours à peine 12 secondes. Allez, du côté de. Et la manche parfaite. Du côté de la Proken. Attention, manche décisive. Du côté de la Proken. Attention, la Devil Booz.
très difficile hein, de leur côté. Manche décisive de côté de la Procade Esport. 6-2 sur le score. Attention là, la Devil Blues, ils n'ont pas le choix de se réveiller. Et là, on va partir sur un BP, salle de recette, salle de surveillance avec cette composition de cette défense avec Alibi, Jacker, Goyo, Warden, Kaïd et Alibi. Et bien sûr, du côté de la Proken. L0, Zolo, Big Z, Nick, NX et Soon. Allez, on y va. Elle est la Procon Espoir hein, qui prend quand même sa pantache, un manque décisif. Hein. Là, la Devil et Blues, ils ont pas le choix. Hein. S'ils veulent faire la remontada dans ces matelas, sinon, ce magnifique B1 sera gagné pour la Procon. Voilà. On voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs hein, du côté de la Devil Blues. Hein. On voit déjà pendant cette round en attaque, il y a eu beaucoup de soucis. Et là, on voit de cette défense, il ne doit pas encore en gagner une. Et ça va être compliqué, hein. Ça va donner l'avantage du côté de la Procon. La Procon quand même qui monte du sacré jeu. Et ils vont pas s'arrêter là, ils veulent absolument la win. Et justement, ils vont chercher justement pour essayer de faire tomber les joueurs de la Devil Blues dans ces conditions. Allez, justement, on commence à peut-être passer par le côté garage. Nils qui est sur le toit. Ma carte maîtresse est prête. Allez, le BCI qui vient faire tomber Kiero sur ses balles. On est passé en 5v4. C'est déjà mal parti hein, du côté de la Devil Blues. Faut pas se lâcher, faut rester. Qui met en position. Et le C4 qui a pas été connecté. A été peut-être même lancé trop vite. Elle est solo hein, qui essaie d'avoir chercher sa position. On voit que Nock il a pris quelques balles, peut-être chercher la formation. Peut-être essayer de le faire tomber directement. Et oui, le contact il va le faire tomber. Solo qui a été chercher ce magnifique duel. Nock il est tombé sur les balles. Il a pas vu qu'il était là, mais tant pis, c'est le jeu. Et là on est passé en 5v3. Et Solo qui continue. Il essaie d'avoir la formation. Esposi qui vient faire tomber Soon. Et là on est passé en 4v3. L'avantage côté la Procon Esport. Et Big Sual qui est là, il sait la formation qui est là, il va essayer de se présenter devant sa ligne de tir là, boum. Nex pareil hein, on voit qu'ils ont mis les clés mortes. Et L0. Et on passe justement à 34 secondes. Et Goyo qui va faire tomber les balles, la petite double de côté de Solo et qui enchaîne et qui n'arrête pas là. En fait, c'est sa game. 12 kills pour l'instant qu'il vient de faire. Il va continuer. Allez, ça sera la pause. Allez, on voit du côté de la Devil Blues. Ça va être fini pour eux. Ça va être compliqué. Allez, peut-être Crisco. Et non, la Procon Esport qui vient gagner ce magnifique BO1. Voilà, tout simplement. La manche a été très rapide. 7-2 sur le score. Bien joué, GG. Justement, on va voir si qu'il y a interview ou pas.
Thank you.